Si vous voyez rien, c'est normal. Je cache exprès l'objectif pour pas que vous voyez l'évolution de mon jardin. Parce que si vous avez en tête ma première vidéo sur mon petit potager, là, ça va vous faire bizarre quand je vais enlever le doigt de l'objectif. Voilà, bon, c'est juste une petite vidéo, voilà, pour vous montrer l'évolution. Parce que après tout, je vous avais montré le tout début, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, donc je vous tiens au courant, même si je pense que j'aurai pas énormément de choses à dire, c'est juste pour vous montrer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a bien évolué. Attention, 3, 2, 1. Et il y a toujours des travaux, oui. Mais le 3, 2, 1, c'était pas pour le début des travaux, mon gars, tu peux t'arrêter, merci. Voilà, donc là, c'est sûr que ça doit vous changer quand même. Là, ce que j'ai ici, c'est des fraises rapportées de chez mes parents. Voilà. Donc ils avaient déjà des pieds. Et... Bon, elles sont toutes petites par contre les fraises par rapport à chez mes parents. Mais ça pousse bien. Ici, là, cette forêt, ce sont des radis. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà pratiquement prêts. Putain, ils sont tout mouillés parce que moi je les ai arrosés ce matin. Mais regardez, lui là par exemple. Il est déjà. Moi je pense que lui il est prêt. Mais le truc c'est que hier j'en ai enlevé un. Il me semblait prêt, mais au final il était plutôt petit. Et quand je l'ai goûté, c'était extrêmement acide. Et je pense que l'acidité, elle vient du fait que c'est pas encore comestible, quoi. Ou alors c'est le type de radis qui fait ça, j'en sais rien du tout. Là à côté, alors. Sachant que on a des salades, des petites pousses de salade, sachant que je les ai replantées ce matin, elles font un petit peu la gueule, mais bon, c'est normal, il faut le temps qu'elles reprennent racine, qu'elles se fassent à leur nouvel emplacement. Et à côté, alors pour ceux qui connaissent, j'aimerais bien savoir, ça là, ça, qu'est-ce que c'est? On me dit que c'est peut-être des mauvaises herbes. Mais c'est beau. Non, mais si c'est des mauvaises herbes, il faudrait que je le sache pour les virer, parce que bon, après elles vont prendre tout l'emplacement, elles vont puer un peu de partout, ça va pas être forcément génial. Ensuite, à côté, on a un potimarron, et là avec une belle fleur là qui a bien fleuri, et même là au pied, on voit des espèces de pousses. Alors, je ne sais pas si ce sera la même chose que ça ici, mais en tout cas, ça commence bien. À côté, on a deux plants de haricots, là et là. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça va pousser. Hein. C'est la première fois que je fais pousser des trucs. Donc, je ne sais pas combien il y a d'haricots par pouce. Hein. Donc, tout ça, je verrai bien. De l'autre côté, on a encore une fois un potimarron avec une belle fleur. Putain, elle est belle celle-là, regardez. Elle s'est bien ouverte. Et là, donc c'est les trucs les plus gros de mon jardin. Ce sont des courgettes rondes. Alors là, je vois que la feuille, elle a un peu morflé, là, mais bon, je sais pas trop d'où ça vient, mais bon, c'est pas le plus important. Le but, c'est d'avoir des légumes. Mais là, voilà, pour le moment, je vois des petites pousses ici, là, entre les tiges. Je sais pas, peut-être qu'en zoomant, on va pouvoir les voir. Voilà, là, vous voyez, on voit des petites pousses. Donc, c'est plutôt prometteur, voilà. En prenant du recul, voilà ce que ça donne. Donc j'en suis plutôt fier quand même, même si voilà je pense qu'il faudrait que je les enlève tout cela. Après les salades, ça pousse assez doucement et j'espère les avoir bien replantées, je les ai bien prises au niveau des racines. Les fraises, c'est vrai qu'elles donnent des petites fraises par rapport à chez mes parents, mais je pense que ça doit être dû à la taille du bac et après voilà l'ensoleillement, il n'est pas toujours, j'en ai un peu le matin, mais c'est tout. Et pour les radis, bah, je ne sais pas combien de temps il faut vraiment attendre, si au début le fait que ce soit acide soit normal. Donc pour ceux qui s'y connaissent, j'attends quelques conseils. Mais voilà, voilà pour mon petit jardin. Je vous ai tenu au courant et je vous tiendrai encore au courant. Hein, quand j'aurai la majorité des légumes dans mon assiette, on dégustera ça ensemble. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous!